As-tu eu des médailles, des choses pour te booster un peu? Ben oui, dans le fond, moi, dès que j'ai commencé, 2 ans après, j'ai fait ma première participation au championnat canadien. Wow! Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu commences, tu es déjà dans les compétitions. J'étais la plus jeune à cette... De ce mon, niveau. Ouais, wow. Quand, mon, mes premiers championnats canadiens de l'équipe du Québec, j'étais la plus jeune. Wow. Donc, c'est sûr que c'est une motivation. Tu dis, et là, tu te demandais, je suis capable de... ici, ouais. Au milieu. Tu étais tout petite, tu étais avec des plus grands. Fait que c'est sûr que c'est impressionnant au début. Ouais. Mais après ça, tu sais, on s'habitue. Ah ouais, Mag! J'ai été 2 fois championne canadienne dans ma carrière. T'as été deux fois? 2 fois championne canadienne. Puis sinon, j'ai une de mes meilleures amies. Là, dans les dernières années, on chevauche pas mal. Puis dans les deux dernières années, on a battu dans, au championnat canadien junior. Okay. Fait que j'étais arrivée deuxième. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment une compétition saine. Oh non, mais que, déjà deuxième, je pense que c'est... Mais je me dépasse à chaque fois, donc pour moi, c'est comme si j'avais gagné l'or, on peut dire ça comme ça. Puis sinon, j'étais allée aussi cet été, j'ai fait mes premières compétitions internationales. Puis j'ai pas gagné de médaille, mais au championnat du monde junior, j'ai terminé 10e. 10e? Et ça s'est passé où? C'était à Tokyo, au Japon. OK! Mais est-ce qu'il y a forcément, comme tout sportif, il y a forcément une sportive un peu en haltérophilie sûrement peut-être à laquelle tu aimerais ressembler? Bien, c'est sûr que dès que j'ai commencé, oui. moi je me suis entraînée avec une fille qui est allée aux Olympiques, Annie Moniquet. Elle vient du club Machine Rouge. Elle a commencé à un autre club, mais... Elle a été entraînée par Yvan Darcigny, le même coach que moi. Oui. Donc, quand j'ai commencé, c'est sûr que ça a tout le temps été un modèle pour moi de, une femme qui perce dans ce sport-là. C'est quand même impressionnant à voir. Oui. En même temps, elle était proche de moi. Donc, j'ai pu apprendre à la connaître et à développer une belle complicité avec elle. Donc, c'est sûr que c'est un plus et une inspiration.